Ok, nickel, ça marche, je vais leur en parler, c'est banger de fou. Ok, vas-y. Les gars, j'ai un concept de fou. Il faut qu'on aille vraiment sur un urbex qu'un pote m'a recommandé. Il est exceptionnel. Vraiment dingue de fou. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Qu'est-ce qu'il dit lui? Il raconte quoi? Urbex, c'est quoi? On a 10 ans pour faire ça? On va mourir là-bas. On est noir, mon frère. On est noir, frère. On va mourir. Jamais de la vie. T'es bête ou quoi? Et lui là? Tu fais quoi toi? Et moi j'ai rien à voir avec vous. Pourquoi t'es noir aussi? Moi je suis un peu entre les deux. Okay. Non mais les gars, c'est gênant, on est pas sur Netflix, vous abusez là quand même là. Genre c'est pas une série là. On va mourir. Non mais c'est pas là, c'est le cliché du noir qui meurt en premier, c'est n'importe mourir, quoi là. Oui. Mais du coup, mais attends, moi je comprends. Moi je vais mourir ou je meurs pas du coup? Ouais, 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 ouais. J'ai pété. Les gars, j'espère qu'on est en live, que vous m'entendez bien, que tout se passe bien. Faut qu'on se dépêche, on est déjà en retard. Donc on va commencer dès maintenant. Il y a tout le monde qui est là-bas et on va directement commencer. On n'a pas le temps, on va direct dans l'ambiance. Pour vous expliquer le contexte, un petit peu de l'histoire, vous n'avez pas fait la zone 5, mais c'est une suite. Suite aux événements de la zone 5, en fait, la base qui est ici a été bombardée chimiquement et tout. Donc il y avait des zombies à l'époque, c'est fini, etc. Une société qui s'appelle Fongusa Laboratory a repris. Vous connaissez? Oui, ouais, je connais. J'ai travaillé là-bas. On m'a viré. C'est vrai que je t'ai vu parce que c'est moi qui l'ai créé, bizarrement. Donc Fongusa Laboratory a repris les lieux et ils font plein d'expériences. Donc ils font de la voiture autonome et plein de petites choses pour améliorer le futur. Il se peut que ce Fongusa Laboratory ne dit pas tout. Vous avez reçu un message d'alerte il n'y a pas si longtemps sur les réseaux sociaux que vous avez intercepté d'une certaine professeure Sattler qui vous demande d'enquêter sur ça. Étant donné les événements qui s'est passé sur la zone 5, vous êtes appelé à rencontrer un représentant de Fongusa Laboratory qui va juste vous attendre juste à l'angle ici. Bonjour le chat, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, bienvenue dans l'Asie. Les gars, on est avec Femi, Shiro, Blacko et Hassan. Les Shinji. J'adore les Shinji, vraiment mon rêve c'est de repartir voir les Shinji et tout, etc. Les gars, j'ai déjà peur. C'est mort, ce sera Shiro. Il y a quelqu'un. Bonjour monsieur. Oula, c'est vachement calme quand même. C'est vachement calme monsieur, vous appelez comment? Alan. Ah, enchanté Alan. Enchanté Alan. Enchanté. Vous touchez pas les gens? Il touche pas les gens. Toujours pas? Ah, oh, bonjour Alan, comment vous allez Alan? Je vais repasser le bac là? Ouais. On va faire la paix. Vas-y. Allez, Minotaku. Ouais. Moi je me mets toujours au fond de la classe moi. Ouais. Vous êtes le groupe d'inspection, c'est ça? Ouais. On est là pour s'y. Les gars, on est sûr de nous. Vous êtes venu enquêter sur le message d'alerte du docteur Sattler? Exactement. Ouais, de fou. Ouais. C'était Sattler, d'être sûr. C'était pas Sattler. Si, vous pouvez être plus sûr de vous, vous savez pourquoi. Oui. Rassurez-vous, en tout cas, tout va bien. D'accord? Vous êtes sûr? Parce que vous avez. Je la vois tous les matins dans le miroir. C'est pas bien. C'est la marque de Machal dans. Ah ouais! Les gars, c'est la fin du monde. Vous avez raison d'être détendu comme ça, tout va bien. Le message d'alerte n'est pas un message d'alerte. Je savais que c'était un régime complotiste. Oui, vous savez très bien. Très bien. Si vous savez tout alors, je passe à la suite. Nos recherches avancées en génétique et en biologie ont permis d'aboutir à la création de cette merveille. Un champignon génétiquement modifié du nom de Kevin. Kevin a la capacité d'attaquer le plastique, de le dévorer presque entièrement. Et après des premiers résultats très prometteurs, l'équipe du docteur Sattler s'est dit: et si on améliorait la formule? Si on faisait en sorte qu'il se répande encore plus vite sur la surface du globe, dans l'espoir de débarrasser nos sols, nos océans, de tout ce plastique qui s'y trouve. Dans l'espoir de réparer nos erreurs. Dans l'espoir, pourquoi pas, de sauver la planète. Ah, c'est beau! Bravo! Incroyable! Pendant votre inspection, vous êtes invités, messieurs, dames, à porter ce matériel de haute technologie. Hassan, de fou! Non, c'est lui le cobaye, c'était mille cobayes. Ah, faut choisir une personne? Non, tout le monde a emporté une ceinture par personne. Vous avez deux bandes jaunes. Ici, qui vous protège de beaucoup de choses. Elle protège de quoi exactement? De tout. Vous ne les avez plus. Vous n'êtes plus protégés. Ah ouais, d'accord. Vérifiez bien qu'il y ait les deux bandes jaunes. Il y a du rouge, ouais. C'est pas du rouge. Il y a de la vodka Red Bull. Il est marié. Il va en boîte de nuit. Il est marié. Il va en boîte de nuit. Comme vous pouvez constater, Kevin est juste là, l'un des sujets test, hein. Le tout premier, très mignon, comme ça fonctionne. Kevin qui peut réagir à la présence humaine, il peut se mettre à briller, il peut
se mettre à bouger aussi quand il s'en bouge. N'hésitez pas à vous en approcher. Quoi ça, ça. Et ici si l'ordinateur du docteur Sattler. C'est de là qu'est parti le soi-disant message d'alerte. Ok. Si vous voulez constater par vous-même à quel point ce n'est pas un message d'alerte, je vous laisse faire. Le mot de passe, c'est simple. À tous les coups, c'est... Le mot de passe, c'est Kevin. Zéro... Non, 4-0, mais 4-0. Mais inspection. Mais Kevin. Inspection. Okay. Inspection. Vous êtes un groupe d'inspection, vous savez fouiller dans les alentours. Du coup, comment, comment Marc Kevin se fait, les gars? K-E-V-I-N. C'est ça le mot de passe. K-E-V-I-N-C-S-E. C'est ça le mot de passe. Très fort. Attends, fais... Qui fait le test? Non! P-E-N-S-E. Non! Pénis! Mais Kevin 102, Kevin 102. Ouais. C'est jamais de la vie, c'est ça? Ah oui, si, c'est ça! Okay, là. Kevin, Kevin 102. Ah, c'est vraiment ça là? N-I-S. Ah! Kevin 102 avec la majuscule? Est-ce que... Attendez. Ouh! Oh! Ah. C'est moi. Vous entendez pas le bruit là? C'est quoi? De quoi ça? Arrête ça, frère! On va être plus, frère! Les scientifiques, c'est quoi ça? Ferme la fenêtre. Jour 5, 8h, heure de Paris. Je suis Leslie Sattler, biologiste. C'est bon, vas-y, passez. Sur le développement sur le projet Kevin, ou le, sur le projet Kevin, c'est très prometteur. Par contre, il y a un problème de sécurité sur. T'as rien compris, là, vous gâchez. Attends, mais Blacko, il est en mode il peut skipper les cinématiques. Attends, mais faut qu'on écoute. Prometteur. Je sens que. Journal de bord du projet Kevin, jour 92, il est 19h52. Il est passé où Docteur Sattler, il est vif, hein. Il est en train de parler avec quelqu'un. Et de développement sur le projet. Ah bon les bêta tests de C14 et C18 sont concluants. Les échantillons fongiques catalysent les enzymes à plus de 90%. Ah. Donc c'est très prometteur. Il est pas là. Par contre, il y a des problèmes de sécurité sur la porte, le code, et sur le coffre des cellules. Vous avez raison. Si les 6-7 heures, vous pouvez essayer de déloquer quelque chose de marimé. Arrêtez. Vous voulez laisser une souche. Et l'échantillon prometteur chez 18 a complètement muté. Il est complètement devenu fou et exponentiel au contact d'êtres vivants. Il faut que vous retrouviez ces cellules souches, je vous en supplie. Oh, ah là, t'es où? En fait, Kevin, c'est... Ce n'est pas un message d'alerte. Détendez-vous. Attendez, les gars. On nous a envoyé ici. Ils disent qu'il y a des problèmes et dès qu'on est là, il y a pas de problème. Oh, c'est bon, Kim Possible, il est bizarre. Moi, je suis bien habillé, moi. Je suis en militaire. Voilà, trop vite pour nous. Wesh, mais attends, mais c'est quoi ça? C'est une prison? Mais je t'ai dit depuis tout à l'heure, il nous dit il se passe rien. Mais regarde ça. C'est quoi tout ça? What? C'est quoi tout ça? On est dans Jurassic Park ou quoi? C'est quoi ces clôtures électriques? On est dans Jurassic Park. Restez concentrés. Restez concentrés. Il est trop chiant. Mais... Comme vous pouvez le constater, la zone 102 est très calme. Il n'y a que vous qui avez... Alan, tu vas pas nous la mettre à l'envers. On sait très bien ce que tu dis. Bien sûr que non. T'es un PNJ. Là, c'est vrai avec qui il va courir, là. Alan, pas nous. Non, attends, pourquoi on continue pas la route? C'est qui là-bas? C'est un mec du staff. Mais ça va aller. Pourquoi on passe pas par là-bas? Va là-bas comme ça. Ne vous inquiétez pas, inspirez un grand coup. Les gars, Alan, il nous veut du bien. Venez, le groupe là. Venez. Pourquoi t'as passé? Les Shinji. Allez devant. Les gars, Alan, il nous veut du bien. Je trouve qu'on est un peu trop bien. Alan, pourquoi? Attends. Moi, tu vas passer devant déjà. Alan, tu vas passer devant. Mais Alan nous veut du bien, les gars. Laissez-le. Va là-bas. Attends. Moi, j'ai peur, les gars. Je suis noir, les gars. Moi, je préviens, moi. Non. Tout moment là. Les gars, on a un groupe de Renoir. Il y a un seul blanc. Antoine Griezmann. Oh, Bougez pas! Qu'est-ce qui se passe? Main sur la tête! Pardon! Allez, toi aussi, là, le grand dindé, main sur la tête! Baissez-vous, les gars! Il rigole pas! Main sur la tête, ta grand-mère! Mettez-vous par terre! Qu'est-ce qui se passe chez vous, là? Eh ouais, vous passez, il vous voulait du bien, il vous a bien niqué, Alan! Alan, t'es vraiment. Allez, Nasdas, il a arrêté Snap, Nasdas. Dépêche-toi, là! Toi aussi, là, le grand dindé! Allez, hop! Pareil, les mains sur la tête! Main sur la tête, face au grillage!
j'ai pas envie de voir votre tronche de cake. Je vous promets qu'on a payé nos impôts. Allez, face au grillage, voilà. Ah, bien, c'est bien, c'est bien. C'est toujours comme ça. Merci, caporal. Toujours très efficace. Un peu plus, là. Bon, je suis navré, je ne peux pas vous laisser partir avec ces informations. Je suis vraiment désolé. Eh oui, c'est des informations que vous auriez pas dû entendre. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux vous fumer le fion maintenant. Non, caporal, ça ne veut pas dire ça. De quoi? Vous allez les enfermer plutôt. Où ça? Ils iront au laboratoire du docteur H. Il va s'amuser avec ce. Toujours la même merde, bordel, le docteur H. Et ses expériences à la con, là. Je peux pas en prendre un ou deux, s'il vous plaît. Ah là, un ou deux, là, le grand AD, je te fie. S'ils ne sont pas sages. S'ils sont pas sages. Il est pas hyper sage, lui. Moi, je les laisse. Le grand, vous devez le calmer un peu quand même. Ah, vous avez wesh. Hop. Allez! Eh Alan! Attends, t'es dans la merde! Hein. Wesh! T'es dans la merde! Il est mort là! Wesh! Ok! Bon! Allez! Les mains derrière la tête! À partir de maintenant, vous me suivez! Putain! Je vais être obligé de vous faire le discours officiel! Moi, j'aurais bien aimé vous faire courir, vous faire cavaler comme des petits lapins! Mais ça va pas être possible! À partir de maintenant, vous êtes dans la propriété de Conguza Laboratory! Ça veut dire qu'il va pas falloir vous passer trop les malins parce que moi, c'est le meilleur truc qui peut vous arriver! Sachez que ce qui va être plus loin, ça va être encore pire! Et les deux camps, là, qui discutent au fond, on sera bien d'accord! Il va falloir fermer sa gueule à partir maintenant! Je vais faire! J'ai l'impression qu'on est dans le Django! Allez! C'est drôle, putain! Ah, allez, vous savez quoi? Vous pouvez appeler Jordan si vous voulez! Jordan? Il y a plein de Jordan! Qu'on soit bien d'accord! Ici, vous êtes dans ma zone, d'accord? C'est ma propriété. Ah, je suis essoufflé parce que vous avez l'air tellement con, les gars. J'ai une question. Qu'on soit bien clair, non, pas de question ici. Putain, juste ici, comme je vous l'ai dit, vous êtes dans Fonguza Laboratory. Qu'est-ce que vous pouvez dire ou faire? Je m'en tape une couille, c'est bien clair. Un seul pas de côté, un seul pas d'écart, et je vous fume. Mais je vais être sympa parce que le docteur H, apparemment, il a besoin de vous pour des expériences ou je ne sais pas quoi. Quel genre d'expérience? Ouais, vous verrez plus tard, mon petit coco. Bon, je vais vous enfermer dans les cages juste là pour vous garder en vie. C'est une question encore. Non, il n'y a pas de question. On vient de la part de Chadli. Est-ce que c'est possible de négocier? C'est qui le pire d'entre vous? C'est toi, non? C'est vraiment lui. C'est lui. Le quoi? C'est lui. Allez, va. En fait, vous l'avez tous poucave. Ouais, j'ai des. Allez. Suivez-moi, okay. Suis-le. On vous suit, caporal. Vous rappelez quand vous aviez parlé de Django tout à l'heure? Je connais allez, pas dans la cage juste là. Allez, dans la cage juste là. Les quatre autres, vous allez dans cette cage là. Allez, on se dépêche. Dépêchez-vous sinon vous faites un Vole les clés, le caméraman. Tu fais partie intégrante du scénario. Tu peux nous aider. À partir de maintenant, il va t'enfermer. Essayez pas de vous échapper parce que moi, j'ai les yeux de Fennec, d'accord? Je vois tout, je sais tout, et vous pourrez pas me la foutre à l'envers. Et surtout, attendez ici que le docteur H vienne vous chercher pour s'occuper de vos fesses, c'est clair? Bon, c'est une image, d'accord? Hein? Allez! Non! Placo! Dis-nous quelque chose! Placo! J'ai un truc aimanté, les refs. C'est quoi, j'ai un truc aimanté? On peut pas escalader. Non, attendez. Mino. Quoi? Moi, j'ai un truc aimanté, vous avez quoi, vous? Ah mais, il y a un double déclé. Ferme ta gueule, il y a marqué quoi, cousin? Il y a un double déclé. Ah mais t'as des clés toi, non? Mais j'ai un truc aimanté, moi. Bah oui, je le tire. Dépêche-toi, le H il arrive. I. Je vais quand même vous tirer, si vous les gars. Et sous les clés? Ah merde. Envoie la clé, Blaco. Jamais j'en ai vu d'abord. Elle est où? Eh oh, eh les gars, restez solidaires. Si on est déjà descendu à l'irrite. Docteur H, on t'attend. Il y a un double déclé entre la cage 10 et 11. Il y a un passage vers la route à travers le grillage. Rejoignez-moi, docteur Sackler. Ouais, il y a un bout qui est en train de siffler là. Ah bon? Voilà. Attends, chut. Ouais, vous voyez un bout qui siffle depuis tout à l'heure à côté de moi. Ah, force à toi, hein. Attends, chut. Pourquoi je suis la seule qui est pas dans la. Et il m'a fait trop peur. Quel bout? Je sais pas, il y a qui. Wesh! Ah, il y a un truc, il y a marqué un truc là. Ouais. Là, il y a marqué un truc, les gars, je dois vous passer la clé. Regarde là, juste là. Il y a un truc là. Mais y'a pas la clé, hein. Y'a la clé, elle est où la clé? Attends, laisse-moi tirer, attends. Ça va, mon petit loulou? Je fais rien depuis tout à l'heure. Ouais, tu fais rien? Je fais rien. Bien. Là, je suis chez moi, là. Voilà. Quoi? Hein? Évidemment qu'il n'y a pas de clé, je vais pas vous laisser vous enfuir comme ça pendant douille. On disait, y'a pas de thé, y'a pas de thé. Justement, y'a pas de thé ici parce que. Con, en plus, hein, j'adore le thé à la camomille. Nasdas, s'il te plaît, Nasdas, s'il te plaît. Connard. 100 000 euros, s'il te plaît, Nasdas. Mais comment ça se fait? Il y a une clé entre nous. D'abord, avant d'ouvrir ta gueule, fais le tour de ta cage, non? C'est les clés. Fais le tour de ta cage, peut-être ça va t'aider, trou de cul. Ah, fouille bien, Blaco, fouille bien. Mais j'ai pas la clé, laissez-moi tranquille, là. Elle est où, frère, la clé? Mais là, t'as un truc par terre. C'est quoi, par terre? Là. Où? Mais, Blaco. Où? Cherche bien. À tes pieds. Moi, là. Mais cherche dans le truc à tes pieds. Les refs, hey, je vous jure, y'a rien. Blaco, t'es une merde! C'est là! Oh non! Même le PNJ! Blaco, il a pas avancé, putain! Eh, les gars, je suis retourné à l'âge de vous savez quoi.
Donc laissez-moi, je vais rester là, c'est bon, je vais pas partir. Mec, je veux pas ton sort. Tu peux changer ton destin. Quoi ? Bon, allez, les trous de cul. Vous m'avez saoulé. Hein ? Vous avez bien couru ou pas ? Non. Ouais. Allez, on va faire un petit jeu. Oh putain. Non. Vous, vous foutez là. Mets ma derrière la tête, mets derrière la tête, j'ai dit. Allez. Attends, mais Blanco, c'est ta faute si on prend cher comme ça. Blanco, Blanco, vu que t'es le plus con, tu seras le dernier à partir. C'est super raciste de m'appeler Blanco, c'est super raciste de m'appeler Blanco. Apparemment, c'est ton petit surnom. Allez. Il est tellement bête, il arrive pas à trouver le tuyau. Sortez les mains derrière la tête. Tout le... Sortez les mains derrière la tête. Oh, Blanco, j'ai ok, ce qu'on va faire. Ça va faire bosser un peu votre cardio. Ok, les connards. Allez, je vais me retrouver. Putain, j'ai eu peur de mon ombre. Vous aurez 5 secondes d'avance, pas une de plus, c'est clair. Oh, bah, et je vais vous voir courir le plus loin possible là-bas. Mais en vrai... Et si jamais je vous chope, je vous fais un deuxième trou de cul à la place de la tête. Les gars, les gars, go, 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 go. On s'arrête pas. Sale pour ta mère. Allez, 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 un connard va être en arme de merde. Eh, tu sais même pas viser. Les gars, il y a pas de balle dans ce coin. C'est qui ça? Oh putain. Bonjour. C'est qui ça? Elle est pas dans ce coin. Pourquoi il y a un bus? Pourquoi il y a un bus? Je sais pas ce qui se passe. Vous pensez de rendre le bus? Ouais. Bus 346 s'il vous plaît. J'espère. Sortez vos passes Navigo. Mais attendez, ils nous regardent bizarrement là. La vie fait peur. Ils nous regardent bizarrement là. My friend, bonjour. Hey, attendez, les gars, bonjour. Sortez votre passe Navigo, s'il vous plaît. Combien de tickets? Mais pourquoi ils ont tous la marque de Machel ici, là? De toute façon, je paye pas. Pourquoi il aussi, il a la marque Machel? Rentrez. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça marche. Toujours dans la lignette. Vas-y, maintenant, Venez, on va au fond. On va faire le bonhomme, celui qui tombe. Il doit pas être déséquilibré. On reste là. Hein? On reste comme quoi? On sait pas? Franchement, Sénégal. Ou Mali. Loin d'ici. Loin. Eh, roulez, d'ici. Loin d'ici. Juste roulez, vous arrêtez pas. Roulez, allez là-bas. C'est bon, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as fait? On se retrouve, les gars. Faut qu'on trouve une destination. On va? On va à fond. On va à fond, Lucia. On va pas au laboratoire. Laboratoire. Le laboratoire, il fait 150 mètres de long. Docteur... Attends, il faut qu'on trouve un truc. Ah, c'est docteur Zemmour. Non, c'est quelqu'un qui a dit qu'on le rejoint. C'est décrit son truc. Le H. Docteur H. Docteur H. Je sais pas quoi. Non. Non, on a oublié c'est Zagessa ou je sais pas quoi. On a oublié le nom du docteur. Zanguissa. C'est quoi, docteur Zangui, Sanga. C'est le docteur... Saga Africa. Je sais, on va où, on va. Sackler, c'est ça. Sackler. Sackler. Ah, venez, on va au fond. On avait. C'est bon, bus. Vous avez souvent des clients ici? Il y en a même de là-bas. Vas-y, moi j'allais faire un ami, les gars. Mais y'a beaucoup de gens ici? Ah! Non, pas trop. Pas trop? Bon, son cousin, le champignon des polluants, là, c'est des conneries. Ah ouais? Pour maquiller les expériences qu'ils font sur les êtres humains. Ah ouais? Ouais, on est d'accord, ils font sur les humains, là. Oui. J'ai entendu parler, j'ai vu. C'est les mutants ou infectés. Putain, les enculés. Les lutins? Enfin, croiserait trois sortes. Les premiers sont réceptifs au bruit. C'est le tuto. Oh, deuxième, quand c'est foutre qu'on a rien. Et troisième, à part courir, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Oh putain. Mais justement, comment on peut les différencier? Je sais. Je suis chauffeur de bus, je suis pas biologiste. Et vu les têtes que vous avez, vous êtes habitué au champ. Mais tu sers à quoi aussi? Ne prends pas. Les gars, on n'a pas d'ennemis, les gars, on n'a pas d'ennemis. Le bâtiment sur votre droite. Quoi? Ça va? C'est le laboratoire. C'est le laboratoire. Ça va? Le truc noir. Et là, vous retrouverez le professeur Sapleur. Oh non. Quoi? Mais justement, vous voulez aller là-bas? Pourquoi on va pas là-bas? Parce que le seul accès ouvert des praticables que je connais, c'est par les sous-sols du bâtiment. Non, les gars, ça va pas. On doit aller dans les sous-sols du bâtiment. Non, ça va pas. Est-ce que vous voyez les lumières? Ouais. Il y a quelqu'un, je vous jure, il y a quelqu'un. C'est là-bas qu'on doit aller? Ouais. Laissez-moi finir. Vous voyez les lumières sur votre droite là-bas? Oui. Alors? Je vais déverrouiller la porte, c'est pas pour que vous descendiez, c'est pour éclairer avec ma lampe. Alors, est-ce que vous voyez les rubalises là-bas? Ouais. Il y a un couloir qui va jusqu'aux escaliers blancs. On est d'accord? Ouais. D'accord. L'accès au sous-sol se fera en passant bien entre les rubalises et sous l'escalier. On fera gaffe, les infectés, il y en a à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Ok. Non. Ouais, un zombie! Putain! Y'a
Ouvre. Ouais, ouais, dégage, connard, on a fait telle merde. Putain, les gars, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais là en fait? Quelqu'un, il y a un zombie. Il vous faudra passer entre les balises pour atteindre le sous-sol. Il y a un zombie, s'il vous plaît. De toute façon, c'est réceptif au bruit. Les gars, vous pouvez faire pas le moins de bruit que vous voulez. Pas de bruit. J'y arriverai pas, les gars. Calme. Écoute, je vais. Le bus, oui. Fait pas du bruit. Si, il fait du bruit. Ah, c'est pour ça, Tigré, c'est pas pour vous. Vous voulez faire diversion, vous allez vous mettre au fond du bus assis. Mais c'est un boss, chef. À partir du moment où je déverrouille les portes avant, on fait plus de bruit, on bouge plus. Très bien, merci, chef. Dès que je peux, je déverrouille les portes arrière et vous filez. Les gars. Entre les libéralistes, vous m'installez. Ok ouais. Moi, je suis comme ça, moi. Moi, je suis comme ça. Pas de bruit, les gars. Chut. Les gars, s'il y en a un qui fait du bruit, il est dans la marche du monde. Ça soit. Il faut aussi, c'est assez possible. Je peux dire un stamina, s'il vous plaît. Pas de bruit, les gars. Pourquoi c'était Spider-Man? Pourquoi c'était Spider-Man le bouc? Qu'est-ce qu'il voulait? Il m'a chopé. Moi, je vais pas en bas, frère. J'y vais. Les gars, si vous nous voyez plus, on vous aime, ok? Il faut que la lumière soit proche de nous. Je suis pas payé pour ça, ouais. Juste, comme ça. Elle a dit pas de bruit. Hein. Je vais arriver ta mère. Hey, moi je suis là, moi, j'ai pas peur de vous. Je suis là, j'ai pas peur, je suis là. J'ai plus peur, maintenant. J'ai plus peur, je suis là, les gars, venez. Il y a personne qui dort. Venez maintenant. Ils sont là-bas. Putain, mais t'es con, on a réussi à ouvrir la porte. Bah ouais. Oui. Ça.
Wesh, ma tête. Aïe. Il est plus là. Aïe, je suis en vrai. Du réseau. Chat, c'est encore du réseau ou pas? Ça bug. Ouais. Oui, ça bug. Il m'a racheté cœur. En fait, moi, il y a eu un anti-jeu. Il m'a racheté les deux d'un coup. Non, mais c'est vraiment fou. Les gars, je suis absolument désolé, on était effectivement dans les sous-sols du jeu et malheureusement, vous en doutez, dans les sous-sols, on a très peu de chances d'avoir la connexion. Vous avez vu, il y avait beaucoup de messages qui étaient en mode « Oh non, putain, une heure d'attente pour ça parce qu'on était en retard aussi ». Et on s'excuse pour ça, malheureusement, ça ne vient pas de nous. Comme vous avez pu le voir, on était dans des sous-sols, on se faisait attaquer de toutes parts et après, on a réussi à sortir pour aller dans le mini-couloir que vous avez vu pour s'arrêter devant une porte pendant littéralement 5 à 10 minutes d'explication du mec qui allait nous dire qu'est-ce qui allait suivre toujours dans le sous-sol, c'est pour ça que vous avez rien vu, où on est arrivé dans un endroit, un long couloir où il y avait plusieurs pièces où on devait trouver une carte et un code pour pouvoir sortir. Malheureusement, on a été trop lent, donc du coup, on a pu sortir d'une autre manière, et ça, j'ai réussi à l'avoir pour vous, donc je vous mets juste la fin de cette partie où on était en train de sortir, vous allez voir les quelques pièces, et encore désolé pour tout ça. À la porte d'entrée. Non, c'est bon, mais j'ai... Non, c'est bon, mais j'ai une précise. Ok. Pas de réseau dans le sous-sol. En gros, on s'est fait courser. Normalement, on a la vidéo, donc vous verrez la rediff YouTube. Mais là, du coup, on enchaîne. Je suis désolé, les gars. Bonjour, le chat. Aussi, entre-temps, Chirou, il s'est blessé. Il a fait une sorte de salto. Il s'est pris une porte. Du coup, il est blessé. J'ai l'orteil en gonflé. C'est mon retour, le chat. Là, les gens, là, je crois qu'ils s'y trouvent, là. Ils nous voient. Je crois, là, les gars, ils avaient dit, ils nous voient. C'est la zone 2. Oui, ils nous voient. Les gars, si jamais vous me voyez, je suis out. Abandonnez-moi. Je vais vous ralentir. Non. Viens. Écoutez-moi bien le chat. Moi, je m'en fous, je l'abandonne. Je tiens ma vie avant lui. Chiflop.
J'ai activé un truc, j'ai activé un truc. C'est vrai, il y avait un levier. Mais il nous voit lui. Il est totalement différent des autres spécimens. Regarde. J'en ai truc un en bas. Putain, mais ça se trouve, il y en a un deuxième. Ça se trouve, il y en a d'autres. Il y en a un deuxième. Il y a quelques gémicos. Là, il y en a six. Ça. Oh, attends, le levier. Faut retourner. Faut retourner en bas. Ah, c'est un levier, tu vas dire. Je l'ai vu, c'est un oculé bleu lumière qui me fait peur, je l'ai vu, il s'est recaché. Ce levier là. What the fuck? Oh, c'est chiant. J'ai un pied. Ok, on en a deux. Il faut retourner en bas sur le levier. J'ai plus de trucs, j'en ai deux. Six leviers, on a activé 4 leviers. Il reste 2 leviers. Je vais en bas. Les gars, moi je pense que c'est moi. C'est un seul. Mais je vais en bas. Là-bas dans la pièce, on n'est pas allé. Il y a un levier là-bas. Au fond. Moi je pense qu'il en reste un au fond. Et un en bas. C'est quoi ça veut dire? On va à gauche. Oui. Ah, t'as mal baisé. Fémi m'a arraché l'épaule. Je vais aller tout au fond. Il y a de la brume. Je suis à Bouzabon Moshi. Là, on voit rien. J'ai un cadavre. Il y a 2 zombies. Hey, tu m'as arraché l'épaule. Ça va? Ouais. C'est dans la brume. Quoi? C'est dans la brume. Dans la brume? Oh. Là-bas. Je vais aller là-bas. Fémi, viens, on y va. Au fond, le Attends.
me chercher. Il va venir. Va chercher les autres. Oh my god, les gars. Wesh. Wesh, 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 wesh. Wesh. Je sais pas où je vais. Mais je sais pas, ils vont descendre par là-haut. Vous allez descendre en rappel. Quoi? Moi, c'est haut de fou. Vous descendez en rappel? Ouais. Wesh. Il descend en rappel. C'est haut de fou. Bon, là, ce qui est extrêmement dommage, c'est que pendant que Blacko et Shiro se préparaient pour faire le rappel, il fallait que trois autres personnes trouvent un code pour pouvoir sortir par l'endroit où Adi est sorti, parce que normalement, on doit sortir différemment. Le problème, c'est que du coup, ils ont dit à Adi de descendre avant même que les autres soient prêts pour le rappel, ce qui vous a empêché de voir notre moment où on s'est fait courser par le mec qui avait la tête de cochon bizarre, là, pendant tout le couloir rouge. C'était vraiment drôle, on a fait des esquives, ils nous attaquaient avec la hache, etc., et je suis vraiment qu'ils aient dit à Adeline de descendre parce que vous avez totalement raté ça. Mais bon, passons au moment du rappel entre Blacko et Shiro. W Blacko. Mais non. Je me suis brûlé à la fin. W Blacko. Comment je peux descendre, frère? Les gars, on dirait que vous faites du sexe. Oh. Écoutez-moi bien. Blacko. Ah, c'est bon. Aïe, t'as pas envie de descendre rapidement, de fou? Ouais, de ouf, mais ça fait. Mais écoute-moi, je l'ai fait, je me suis brûlé. Fais pas. Ah, mais non, mais je le fais pas. Fais pas, je me suis brûlé, j'ai mal aux doigts. Les gars, tu auras une marche bizarre. Tu la vois? Ouais. Voilà. T'es bientôt en bas. Voilà. C'est boss. Et vraiment, au début, quand t'es au bord de la fenêtre, c'est terrifiant. Ouais, c'est terrifiant, je suis d'accord. C'est terrifiant. Les gars, c'est chaud. On l'a fait parce qu'on est Spider-Man. On a dit on est Spider-Man. Exactement. Les gars, c'est la dernière ligne droite. Ah, c'était terrifiant. Alors, bon, je vous explique, moi, c'est Dr. Ford, d'accord? C'est pas fini de quoi? Non, on est dans la merde, les gars. C'est l'apocalypse. Je suis Dr. Ford. Mais écoutez-moi, par contre, parce qu'on sera encore plus dans la merde si vous m'écoutez pas. J'ai des informations à vous donner sur Leslie Sattler que vous cherchez, c'est ça? De toute façon, tout le monde la cherche, Leslie Sattler. Je peux pas vous les donner ici les infos, pour la simple et bonne raison qu'on est dans une zone, je vais être très honnête avec vous, qui est hyper surveillée, qu'il y a des gardes partout là-bas qui font des rondes, ok? J'ai une planque, je vous invite à venir avec moi, à partir de maintenant, on reste toujours ensemble, hyper silencieux, efficace, ça va aller, venez. On nous a tout le temps dit ça, à chaque fois ça se passe quand même. Tout le temps, cool. Juste un petit peu l'orteil, mais ça va, c'est supportable. Okay, alors, sincèrement, votre dossier médical, je m'en fiche un peu, je reformule. Est-ce que si à l'avenir, il y a besoin, est-ce que vous avez des raisons ou non d'être lent? Est-ce que vous avez des raisons d'être lent? Est-ce que t'es rapide? Je peux, tu peux être avec nous, Oui. Ferme ta gueule, c'est bon. Voilà, c'est bon. La règle d'or, c'est qu'on reste toujours ensemble. Donc dans tous les cas, si on a un blessé, on l'attend. On reste efficace. On attend que ça marche, vous avez entendu? Maintenant, comme on est pressé, je le rappelle, si jamais par la suite vous avez des remarques, ça peut arriver, hein, mais qui ne sont pas pertinentes, je vous invite à les garder pour vous, comme la vôtre par exemple. La prochaine fois, vous la prenez, vous la mettez dans la réseau. Oui, c'est clair. Oui, j'adore.
Ferme ta gueule. On revient sur les présentations. Moi, je m'appelle Lou. Vous m'appelez Lou. Docteur Ford. Enchanté, de même. Ça fait des années que je travaille avec Leslie Sackler. Ok, des années. Ce qui s'est passé. Parce que là, il est enfermé quelque part, on ne sait pas encore où. C'est pour ça que je vous dis, la situation, elle est grave, c'est urgent. Quand ça a commencé à dégénérer au laboratoire, on a quand même toutes les deux pris la décision de s'implanter une puce électronique dans le bras. Ok. Alors, pourquoi? Ouais, pour pouvoir surveiller en fait en temps et en heure notre géolocalisation. Ok. Le seul problème, je vous l'ai dit, dans un secteur, il y a des gardes. Ils ont réussi à intercepter mes données, je sais pas comment ils ont fait, d'accord? Sauf que moi, du coup, je suis placée sous haute surveillance, je peux pas quitter le secteur. Vous, par contre, vous pouvez. C'est pour ça que j'ai envie de vous faire confiance, vous allez m'écouter, parce que, encore une fois, on est pressé, pour aller chercher Leslie, ok? Est-ce qu'on est payé? Est-ce que vous êtes payé? Oui. Vous êtes payé simplement pour sauver le monde? C'est ça qui vous intéresse, d'être payé, ça va pas, non? C'est Apocalypse, sale con! Mais vous avez quoi à l'intérieur? Dites-lui, c'est un connard. Non, je me permettrai pas, dis-lui, d'accord? Et de toute façon, on perd du temps. Ce genre temps, de discours, on dirait que vous avez commencé à être infecté, ça me dégoûte. Oh là là. Donc, dégueulasse. C'est un AFC, c'est pour ça. Chut. J'ai une tablette qui va vous permettre de scanner le plan qui est juste derrière. Une fois que vous aurez scanné le plan, vous verrez apparaître sur l'écran des coordonnées géographiques. Elles correspondent à l'endroit exact où se trouve Leslie maintenant. Quand je vous parle d'urgence, c'est pas pour vous embêter, c'est que moi j'ai pu constater que parfois les données. Mais tu crois qu'on a le temps là? Ressaisis-toi, frère! Ressaisis-toi! C'est pas mal! T'es con, quoi! C'est une urgence! Ressaisis-toi là! Là, on parle de c'est l'apocalypse, frère! Tu crois qu'à l'école, tu crois qu'elle joue? J'ai pu en déduire, ça se trouve c'est faux, qu'elle peut être retenue par quelqu'un qui peut la bouger, d'accord? Donc l'idée c'est quand même de la trouver vite avant que quelqu'un la change d'endroit, vous comprenez? Oui. Merci. Alors maintenant, qui veut prendre la tablette? Franchement, je prends pas cette. Il s'agit juste de tenir la tablette. Je pense que Chiro, vu que t'es blessé, prends. Allez, quelqu'un, on s'en fout. Juste par contre, vous avez les mains propres parce que j'aime pas les germes. Non, on s'en fout, on n'a pas le temps. Alors non, par contre, non, parce que les germes. Et docteur Louford de nos voitures là. Vous avez les mains propres ou pas? J'ai les mains propres. Très bien. Allez-y, sans toucher l'écran. C'est un plan. C'est des tirs, elle est raciste. Même en apocalypse. Vous vous rendez compte que dans une situation comme celle-là, on est tous plus ou moins la même couleur à ces moments-là. C'est vrai. Non, je trouve quand même que les zombies noirs et quoi. On est en retard déjà, les gars, on est en retard. Il y a un L et un 3. Super, ça c'est parfait. Merveilleux, qu'est-ce que ça vous évoque sur la grande carte maintenant? D3, L. Ah, et vous avez dit L et 3, pourquoi vous partez de je sais pas où là? L et 3. Oui, restez sur vos premières données. L3, Qu'est-ce que ça vous évoque? Oui, c'est les sorties. Mais sur le hangar, c'est. Mais allez, mettez-moi, putain, L3. Très bien. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que vous avez dit, mais vous ne l'avez pas montré. En science, on démontre. Ah, on est ici. Oui, merci. Je suis trop fort. Donc faut aller là-bas. Dites que je suis très fort. On n'a pas le temps pour Flaubert. Vous faites la base, les autres font le encore moins, d'accord? Il n'y a pas de quoi être fier. Maintenant, écoutez-moi. On doit aller là-bas. Oui, on doit aller là-bas, mais je vais vous expliquer, parce que si vous sortez comme ça n'importe comment, vous allez vous faire buter, ça va ou pas? On écoute, voiture, on écoute. Là, voiture, c'est pardon. C'est drôle. Pardon. Il est drôle, Ford. Non, parce qu'il faut qu'on y aille en voiture si on a le temps, mais on y va. J'écoute. Est-ce que c'était supposé être une blague? Non, mais on y... Il n'y a plus de blague, là. Dans ces cas-là, je vais vous fermer, là. Non, mais Leslie, elle est par là. Venez. Il y a un sentier qui part à droite. Okay. Ce sentier-là, je peux pas le prendre avec vous. Parce que sinon, moi, je sors de ma zone de surveillance, je risque gros. Okay. Okay. Et je vous accompagne jusque-là, vous aurez pas grand-chose à faire tout seul, ça va aller. Okay. Okay, ça marche. J'ai envie de vous faire confiance. Okay. Là, il y a les gardes qui font les rondes, d'accord? Donc une fois à l'extérieur, on fait aucun bruit. C'est quand pour les semaines, pas de bruit? Juste, vous faites pas de bruit. Okay, c'est tout, vous la bouclez. Mmh. Sachez que les gardes, ils savent pas que vous êtes là. Ça, c'est très bien, parce que quand ils sont tout seuls, croyez-moi qu'ils s'ennuient, il n'y a rien à faire ici. Et ils parlent entre eux. Des fois, il y a des trucs qui sont pas inintéressants à écouter. Okay. Donc vous restez toujours à l'affût, ok? Yes. Avant de sortir, j'ai une dernière chose. J'allais dire. Elles sont toujours sur RP, elle m'énerve, je vais la boumer, frère. Un micro parabolique. Je veux ça, c'est bon, ça. Non, ça s'appelle un micro parabolique. Si vous m'écoutez parler, vous allez voir, il y a toutes les infos qui arrivent. Désolé. Un micro parabolique, ça permet d'amplifier les sons qu'on entend. D'accord, ouais. J'ai besoin d'une personne de confiance, un minimum. Vous, là, vous avez trouvé les trucs sur la carte, vous êtes discret. Vous appelez comment? Encore une fois, il m'appelle Chiron. Oui, soutenez-moi, j'ai un il n'arrive même pas à montrer, il n'arrive même pas à démontrer sur la carte. Les gars, vous êtes très moite par contre, Chiron. Il s'agira de mettre le casque sur les oreilles. C'est tellement faux. Écoutez, c'est un protocole d'utilisation. Il suffit de mettre le casque sur les oreilles et quand vous le voulez, vous laissez votre doigt appuyé sur le seul bouton, ça ira, Chiron. Oui. Parfait. Une fois à l'extérieur, je le rappelle, on reste toujours ensemble, on est discret. En silence. Ok, je vais prendre le snap, note 43-21. 43-21.
Quelle pétasse, pourquoi elle fait ça? Non, mais j'étais hyper enthousiaste, mais c'était trop. Il arrive! Courez, courez! Courez, courez, courez! Le sortir, le droit, droite! Allez! Pétasse! C'est les blancs! Quoi? Le camion? Le camion? Venez en vrai de vrai. T'es en mort. On peut toujours mettre pause à un jeu. De toute façon, on se pose. Je suis éteint. Mais venez, on n'a même pas fait le cri de guerre, on n'a rien fait, on n'a même pas parlé tous ensemble. On n'a même pas parlé une seule fois tous ensemble. C'est vrai, les gars. On est trop individuels. Tu veux dire quoi, ça me... Écoutez-moi, s'il vous plaît. Écoutez-moi avoir son snap, les gars. S'il vous plaît, là. On est à la Coupe de Calais, y a plus de snap. Retourne-y. Allez-y, allez-y. Les gars, allez-y. Ah, c'était quoi le code? 43-21. Mais non, Leslie. Edouard, Leslie. Ah voilà. Tu oublies de frapper pas. Leslie. On est là pour vous sauver. On est là pour te sauver, Leslie. Non, c'est pas non. T'inquiète. Parle espagnol. Ok. Avec un beaucoup d'espagnol. Tengo familia Chile. Quoi? C'est qui le... C'est quoi le nom de ta meilleure amie? Leslie, je voulais acheter ma chienne. C'est ma femme, elle m'a dit de venir te sauver. Ma femme. C'est quoi? Vous avez vu le Ford? Elle est où? Pourquoi elle est pas avec Attends, vous? Tu t'appelles comment déjà? Tu t'appelles Leslie Sattler, pourquoi? Ok, c'est bon. Parle lui en allemand. Deutsch, 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 quoi, l'état de Deutsch, va ça, auto. Vous pouvez me libérer ou pas? 43, va-t'en. Olewa, mona, tekinaï, Jacques, mona. 43, vas-y, vas-y. Nani, mona, nani, mona, tekile. Je vois absolument rien, pas. La pauvre, elle est traumatisée, elle est traumatisée. 43, 21, les gars. Je regarde, c'est un garde qui arrive. Ah merde, ça a l'ouvert, je crois. Ça va aller, ça va aller. Comment ça se fait que vous ayez le code? Posez pas trop de questions, on a pour vous les filles. En fait, on est des super-héros. On vient du futur. On a été tués par Zamasu, mais Blagoku il est venu. Et du coup, ce qui a fait que Sukuna est entré dans notre corps, qui a fait permis que Kubi arrive et nous. Voilà, c'est bon là? C'est bon. Ça fonctionne pas, non? Y a pas un bouton? Ah merde! T'as oublié le passage où on a mangé des burgers? Ah, oh putain! Y a deux codes! Attends, y a deux codes! Y a deux codes! Mais non, mais non, mais c'est que celui-là, c'est que celui-là. Ça s'ouvre pas, c'est quoi le code que vous avez? 43-21. Mais t'as pas mis, frère. Mais c'est Shiro qui a entendu. C'est à l'envers, entendu, on va le mêler, frère. Non, t'as mis un 5. T'as mis un 5. Ah ouais? Shiro là, tu l'as fait mal. Attends. Attention! Désolé. À Leslie Eduardo, on est passé pour des madrasses. Ah, c'est moi, je suis un gros. Voilà. Attends, Leslie. Aïe. Ah, désolé, attends. Parce que c'est en mêlée. Elle est où, Lou Ford? Attends, Leslie, je suis chaud. Par contre, on dit merci quand même. Merci, on est bien. Fin câlin. Non, non, Leslie, doucement. Il y a des gens, il y a des gardes et tout. Il y a les gardes? J'ai besoin de l'eau, je ne veux pas détruire les sécurités. Si tu fais de la merde, on t'envoie aux zombies, d'accord? Donc tu vas te taire maintenant. Viens, espèce de Benji bugué, j'en ai marre, tu viens. Wesh. C'est donc comme ça qu'on traite les AFC en fait. Je vais parler doucement. Leslie, tu vois Kevin? C'est quoi ce pays? T'as créé un monstre! C'est pas moi, c'est pas moi! T'as créé un monstre, tu les as laissés! Est-ce que vous pouvez remplacer Lou? Oui. Ok, donc je vais vous envoyer au laboratoire et vous allez lancer le système d'épuration à sa place. Il va falloir appuyer sur 4 boutons. Je peux vous faire confiance? Oui. Okay. Doucement. Elles sont où tes bandes jaunes à toi? Ouais, elles sont là, j'en ai une. Vous avez tous au moins une bande jaune? Ouais, t'inquiète. Elles sont où tes bandes jaunes? Je les ai rangées, t'inquiète. Tous ceux qui ont des bandes jaunes, montez dans le camion. Les autres attendez dehors. Non. Et moi, je vais vous dans le camion. Venez, les gars. C'est qui a tous? Vous êtes trois, puis on a moi j'en ai une. Prête ta bande jaune, prête ta bande jaune. Moi j'ai encore, moi j'ai. Attends, on doit boire un truc là. Moi j'ai. Allez, moi aussi. C'est blanc. Moi je t'ai pas vu. Donc. Vas-y, bois, je t'ai dit. Bois vite ta mère. Je t'ai dit que c'est ta mère. Bois les gars. Ok. Ça va bien se passer. Bois ta mère. Laisse-le, on te fait confiance. Je vais vous amener au laboratoire. Par contre, putain, j'aurais besoin de la lumière pour hacker le système. Je suis désolée. Donne-moi la lumière, s'il te plaît. Ok. Je vous conseille de vous mettre tous au sol parce que ça fait longtemps que j'ai pas conduit. Je vais aller là-bas. Non, j'ai craché, gros. Les gars. Oh la vache. Évidemment, j'ai craché. Je crois que je devais pas boire. En vrai, les mecs, je voulais vous dire un truc. Je vous aime tous. Moi, je pense que c'était incroyable comme expérience. C'était vraiment sympa. Je devais pas boire ça.
Eh les gars, c'est pas conduire les gars. Blaco, prends le volant. T'as avalé? Comment on fait pour le faire? Tiens le coup, tiens le coup, écoute ma voix, reste avec moi. Je reste à côté de toi. Blaco, j'en prie à gauche, le pied à gauche. Ouais, c'est pas conduire. Aïe aïe aïe, il est blessé. Filme mes yeux. Là, je suis en PLS. Je suis en PLS, j'ai une larme là, Reste coulé. Elle conduit vraiment mal, elle va vraiment que je conduise. Wesh, the fuck, bro. Venez, j'oublie ce qu'elle a dit. Ah mais elle dit 4 boutons. Je laisse plus une femme conduire. Oui. Je suis au bout de ma vie. Elle a dit c'est le professeur H qui a modifié le pied. Mais putain, mais tu veux du café à plus. Il y a H dans le laboratoire. Il va vouloir récupérer les cellules souches. La bonne nouvelle, c'est qu'il est pas au courant que je les ai déplacées. Mais il va falloir trouver un moyen de le buter. Sinon, c'est lui qui va vous le buter. Mais j'ai pas assez de temps. Il faut que je gagne du temps. Elle conduisait, elle me dit. Vous allez lui dire que vous voulez travailler avec lui et que vous m'avez tué, ok? Comme ça, vous gagnerez votre confiance. Je parle, okay. Non, non, ouais, tous ensemble, d'accord? Ouais, ça marche. Tu m'as parlé, je connais tes secrets, okay. D'accord, ça marche, ok. Donc, vous parlez avec lui pendant une minute et après, vous lancez système de pression. Elle est folle, elle est malade. C'est une dingue. Vous avez envie d'être le meilleur biologiste avec lui. Ah oui, bah c'est ça. Voilà, c'est ça. Okay. Et après, vous lancez le système d'épuration. Le problème, c'est que si vous ne le faites pas dans l'ordre, vous allez crever. Si vous n'êtes pas assez rapide, vous allez crever. Oh, et si vous inversez les boutons, vous allez crever. Vous êtes bien attentif là? Oui. Okay. Le premier bouton, c'est biohazard. Tout le monde voit quoi ça? Biohazard. Ok, le deuxième, c'est nucléaire. Le troisième, c'est tête de mort. Et le quatrième. Les gars, tout à l'heure, elle me dit on va à gauche? Oui, il faut tourner à gauche. Elle va à droite. J'allais mourir, les gars. Du hasard, du clair, le dernier, il est dans la salle principale, d'accord? Donc, va falloir que vous soyez tous ensemble pour appuyer sur le bouton, sinon vous n'allez pas fermer les grilles d'aération, vous allez crever asphyxie. Okay, ok? Je peux compter sur vous? Les gars, vous avez retenu quelque chose? Du hasard, okay, nucléaire, tête de mort, et la dernière salle. J'y vais. Non, on va pas y aller, on s'ouvre pas. Sam, il n'y a pas de snap. Le seul snap que tu vas choper, c'est le snap d'un zombie, frérot. Premier gaou n'est pas gaou, oh, ah. Deuxième gaou qui est tatao, ah. On dit premier gaou n'est pas gaou, oh, ah. Mais Fébi, fais un meet-up abonné. La rencontre avec les elfes. Le meet-up, wesh, il crache. Salut toi. La rencontre d'Abo. Wesh. Wesh. C'est quoi ton stream préféré? Hey. Attends, je vais aller. Hey. Professeur H, tu sais qu'on dirait un peu. Franchement, est-ce que. Mince, c'est sûr. Wesh! Il va péter la vitre. Ça va rappeler des souvenirs, les gars. Ok, venez. On arrive. On va parler au bio-H. Biohazard, nucléaire, tête de mort. Et tous ensemble. On va parler au H. Wesh!
bizarre. Et on ne bouge plus. Très bien. Une journée unique et on ne bouge plus. J'ai un très dur sujet. Monsieur Lâche. Félicitations d'être arrivé jusqu'ici en un seul morceau. Merci beaucoup. Et perspicacité. Ah, tu as vu ça? Tu sais, mon cher, la vitre, elle marche dans un sens. C'est-à-dire, toi, tu peux m'entendre et moi, j'ai la chance de ne pas t'entendre. Donc, ça ne sert à rien de me dire. Waouh! Suce ma bite! Allez, où en étais-je? Oui, oui. Mais bon, t'en pas. On a tué. J'oublie les bonnes manières. Je me présente. Docteur Heinrich. Bonjour. Heureux d'être le dernier spectateur de votre ultime échec. Eh bien. Et cette broniasse de sa clair qui vous envoie. Non, on a tué Leslie. Voilà, ne me prends pas pour un imbécile, mon cher. Je connais la vérité. Il y a des caméras, des choses. Je croyais que tu ne les connais pas. C'est une spécialité française de mentir ou de collaborer. Mais je suis comme un riche français. Exception, n'est-ce pas? Très bien, très bien. Il y a un problème dans votre plan machiavélique. C'est que sur les quatre boutons, il y en a un qui vous est inaccessible. Il est là? Et je suis le seul à pouvoir donner accès. Non, là-dedans, il n'y a rien à part du charisme, Frolag. Oh là là, c'est faux. Sauf que je suis le seul à pouvoir donner accès au bouton qui vous manque. Pourquoi ferais-je une chose pareille? C'est pas celui-là par hasard. Parce que vous êtes gentil, je sais pas. Bah dis donc, t'es vraiment par la truite, là, c'est d'oxygéner de la rivière. C'est pas si on est mort de prendre cher, ça, français. Non, c'est pas chez toi. Je l'adore, c'est beau. C'est ça que ça donne quand on jette le bébé, qu'on élève le placenta, c'est ça? Bon, ouais! Très bien, très bien. Heureusement, tu es une baie vitrée. Hein. Donc, comment dire, quatre boutons. Je veux bien vous donner accès au dernier bouton. Parce que voyez-vous, j'ai un défaut que je traîne depuis des années, depuis que je suis un petit quitter, c'est que je suis joueur. Et c'est très intéressant pour moi de regarder des êtres inférieurs tels que vous se démener pour essayer de sauver leur pathétique misérable. C'est parce qu'on est noir. Enfin, bref, j'ai pas raté. Quatre boutons. Appuyé dans un ordre précis, mais ça vous le savez. Oui, oui. Mais aussi dans un rythme précis. On appuie sur le premier, puis tout de suite après le deuxième, puis tout de suite après le troisième, etc., etc. Donc il va falloir vous déplacer dans tout le bâtiment, parce que si vous restez collé et que vous courez de bouton à bouton, moi j'ai pas d'aller embrasser ta grand-mère. Autre chose importante à savoir, c'est que si je vous laisse vous balader là comme ça, librement dans le bâtiment, j'en fais de même avec mon cœur. Avec qui? J'ai bien travaillé autre chose que les pecs à la salle et qu'on avait un peu de cardio, n'est-ce pas? Regardez. Allez, on se sort les doigts du schrudel! On te donne le papier! Hé, hey, ce voilà! Ah là là. Quoi? Va. Calme. Ça m'a tué. T'auras ton épisode de One Piece. Il m'a tué. Il a fait. Chut. Oh, putain. Comment tu avec un bouton? Qu'est-ce qui se passe? Eh, viens, ta mère, viens, t'es où? Viens. Mais non, mais y'a pas besoin d'y aller, non. Laisse là-bas. Mais viens, quoi, viens. Cherchons les boutons, justement. Viens, mais pourquoi viens, tu. Après, tu vas dire pourquoi les noirs, ils meurent en premier. Oh, tête de mort. Oui. Le bouton biohazard, il est là-bas. Vas-y. Biohazard, après biohazard. Chiro, biohazard, après c'est quoi? Biohazard. Biohazard, tête de mort. Tête de mort. Biohazard, tête de mort. Oh, putain, c'est... Biohazard, tête de mort. C'est biohazard. J'en ai marre, la vie de ma mère. C'est biohazard. Moi sa mère. Ouais. Qui se rappelle? Eh, je vous jure, les biohazard nucléaire. Non mais là, pourquoi il a célébré comme un joueur de foot? Il est où? Allez, y a biohazard. Je sais pas, il est où? On a trouvé un seul, mais c'est pas le premier. Non mais là, on a eu trois. On a tous les. Ah là, y a biohazard. Ah bah y en a un là. Mais le dernier, il est où? Nucléaire, tête de mort. Ouais, il est en face de lui. Il y en a un côté. Ouais, vraiment. Oui. Vas-y, on sépare. Moi, je suis en face de lui. Je suis biohazard. Je suis biohazard en premier. Pourquoi tête de mort? Non, après nucléaire et tête de mort. Biohazard, nucléaire, tête de mort. Appuie pas tout de suite, Chiro.
Les gars, faut trouver nucléaire. Nucléaire, c'est là-bas, c'est là-bas. Maman est là. C'est comme ça qu'on les fait fuir. Regarde. Le système ! Les gars, on a mis. Ouais, on l'a. J'ai flippé ma daronne. Tu vois, viens. Ça va bugger, le chat ça va bugger. L'instruction est lancée. Je viens de désactiver le labo d'Heinrich. J'ai aussi réussi à pirater le neuroling de Günther. Il devrait s'attaquer à son créateur. Ça vous fera gagner du temps jusqu'à ce que j'accède aux cellules souches. Dans ton cul, lâche. Vraiment, t'es le meilleur, Gunther. J'ai adoré ta célébration. Franchement, j'aurais bien demandé son snap. Je vais acheter un maillot fouquet, Gunther. Ah, il se démerde. Oh, il y a un bar. T'as des survivants? Il y a un bar. On a survécu. Bon, en tout cas, les refs, moi, je tiens à dire que Femi et moi, on a toujours des trucs comme ça. Ouais, on a toujours, on est des frères de. Frères de jeu. Putain. En tout cas, j'en serais pas sorti indemne. Ça a été avec les tombes. Oui, ça. Gunther, le gosse. Les gars, en vrai, de vrai, est-ce qu'on peut s'applaudir? Ouais. Le chat, j'espère que vous avez kiffé. Oui. N'hésitez pas à faire vos retours. On peut l'applaudir, Mino, les gars. Ouais, le boss. Ouais, ben non. Les gars, j'espère que vous avez clippé à balle. N'hésitez pas à mettre tous les clips sur Twitter. Comme ça, on voit tout ça. On est désolé pour les bugs. Évidemment, c'est indépendant de notre volonté. On sait que ça vous a beaucoup fait chier. Mais on était dans des sous-sols. Ça vous a pas fait chier. Ils ont kiffé ça. Et ça vous a fait chier? Oui. Il y en a, ils boudaient carrément. Bande de boudeurs, alors. Vous êtes des boudeurs. Non, mais il y a juste la partie dans le sous-sol. Ouais, voilà, mais... le sous-sol, on veut pas capter. Là, on doit dire. Dites en commentaire, s'il vous plaît, la personne qui a le plus flippé. Moi, je pense Bella contre Fée. Hassan, t'as crié à ça. Non, en vrai, Hassan, t'as crié à ça. En vrai, moi, je pensais que j'allais choquer. Moi, je crois que je m'en suis bien sorti. Je me suis cassé la gueule, moi. Ouais, toi, c'est une Moi, je m'en suis bien sorti. Femi. Mais wesh, mais j'ai été grave plus courageux que le premier. Femi. Mais je suis même allé chercher Chiro et tout, je l'ai grave aidé et tout. Ils ont dit, à 10, ça compte. Et ça, vous avez kiffé, on en refera d'autres. Pour Halloween, notamment, déjà, comme je vous ai dit, il y en aura un. Après, je sais pas quand est-ce, mais on en refera d'autres. Vous savez, on n'est pas encore au-dessus de tous ceux que vous regardez déjà sur Twitch qui font des millions de viewers, mais on essaie quand même de proposer des trucs qui changent. Encore désolé pour les bugs, comme je vous ai dit, c'est pas de ma faute, mais... C'est de sa faute. Je m'excuse quand même. Sur la rediff YouTube, normalement, il y aura tout. J'espère, en tout cas. C'est de sa faute. Merci encore à la Zone 102 d'avoir fait ça. Désolé pour le retard aussi, indépendant de notre volonté. Merci les frères, merci pour Wakanda, tout ça. Wakanda, Wakanda. Wakanda. Les gars,
On oublie souvent, évidemment, faut remercier la dame là. Ouais. Et ici, merci à Adji encore une fois. Je veux voir le clip avec le papier. Pourquoi ils sont tout le temps les meufs qualifiées, ma fille. Merci les frères. Yes. Reposez-vous bien, faites attention à vous. Rembourse 200 balles, Dino. Merci beaucoup. À tout. Frère, je suis à 600 balles. Merci à tous les gars. Bonne soirée. Cindy. Salut tout le monde. Les refs, vas-y. Ciao.